Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 27e épisode de Resident Evil 4 HD. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je me suis arrêté là 2 secondes parce que je croyais que j'avais pas branché mon micro, mais c'est bon. Donc, on s'est arrêté ici, donc on avait passé une porte, je sais plus trop où elle est, la porte qui arrêtait pas de s'ouvrir et de se fermer quand on arrivait. Il y avait des gens derrière, donc on les a tués hein, et je crois que c'était cette porte là, mais je suis pas sûr. Attendez, je vérifie quand même sur la carte. Non, c'était la porte qu'il y a là, le grand trou là qu'il y a. Et donc voilà. Alors bah écoutez, on va monter les escaliers. Ouais bah c'est on va monter les escaliers, c'est la chose la plus simple à faire, et surtout c'est l'endroit où on doit aller. Alors il y a dans le dernier épisode, oui, dans le dernier épisode, je dois vous le dire parce que c'est quand même important. Il y a eu des moments où peut-être vous pensiez que j'étais en train de me lasser du jeu. Non, pas du tout, hein, franchement, pas du tout. C'est juste que en fait, on n'arrêtait pas. Je suis redescendu, génial. Avec la musique stressante en plus. On n'arrêtait pas de venir m'interrompre pendant mon épisode et du coup bah, ça commençait un peu à m'énerver. Du coup ça s'est peut-être ressenti durant la vidéo. Commence à me faire peur tout ça. Alors oui, faut ouvrir ça, yes, une petite grenade incendiaire. Y'a rien là? Non, y'a l'air de rien à voir. Ah, ça me fait peur. Ça me fait flipper. Ok, on est passé par la... On a passé la porte, nickel. Je vous entends plus. Wow, ok. Ils ont inventé les portes qui s'ouvrent toutes seules. Examiner, c'est un équipement de recherche, je me demande à quoi il sert. Bah moi aussi. C'est pas Ashley quand même. On dirait qu'il était en pleine autopsie. Qu'ils étaient en pleine autopsie. Examiner, ça doit être le système de sécurité de la porte. Actionner. Non, on actionnera plus tard, on fouille d'abord la salle. Examiner, c'est vrai, il y a un objet bloque la porte de l'autre côté. Bah écoutez, on actionne, c'est bon. Ouah! Tourner le panneau de... je sais pas. Ça sert à quoi? Je comprends pas. Ah ok, c'est bon, je viens de comprendre. What? J'ai rappuyé sur la touche, en fait j'ai pas fait exprès, d'accord. Bon bah j'ai réussi à faire le j'ai réussi à le faire sans grande difficulté. Mémo de Louis III. On a vu le 2 ou pas, je suis pas sûr. Les créatures horribles telles que le Gigante et les Novistador sont le fruit d'expériences diaboliques et ignobles dont ont fait l'objet des sujets autrefois humains. Un type de créature se distingue nettement des autres. Il s'agit des Regenerados. Les Regeneradores. Les Regeneradores bénéficient d'un métabolisme plus élevé qui leur permet de régénérer très rapidement leurs organes qu'ils ont perdus. Je n'ai rien vu de tel. Cette propriété les rend quasi invulnérables aux armes conventionnelles. Mais comme toute créature vivante, on peut les tuer. Leur corps est plein de plagas qui ressemblent à des sangsues. Cependant, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Seule l'imagerie thermique permet de les repérer. Pour empêcher la régénération, il faut trouver et détruire ces plagas sangsues. D'après mes informations, la plupart des Regenerados... Le Regeneradores possède plus d'une plaga sensue. Pour tuer un Regenedalor. Oh putain, mais j'arrive pas à ce mot-là. Hein. Regenerador, il faut tuer chacune de ces plagas sensues. Franchement, alors, est-ce que j'ai eu. Ok. Alors, est-ce que j'ai eu le fichier avant ou pas?
Alors, mémo de Louis III. Mémo du majordome. Lettre d'Ada. Mémo de Louis. J'ai pas eu les autres. D'accord. Ok, donc ça me fait peur ça. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la porte d'entrée. Vous en faites pas. Munition de TMP. Nick, examinez. Qu'est-ce que. Quel genre d'expérience font-ils ici? Je ne sais pas et je veux pas le savoir. Oh là là, monsieur bizarre. Vous avez obtenu une carte de la chambre froide. D'accord. Et elle est où la chambre froide? Ah, c'est quoi ça? Oh putain, c'est lui. Oh là là. Ils veulent que je tue comment ce truc là? Petite esquive. J'ai rien à récupérer ici. Ok. Tac, moi je me casse hein. C'est bizarre ce gars. Ok, bon alors, on a la carte de la chambre froide. Clé obtenue. Ah d'accord, ok. Oh par contre... Ah, il y en a un autre. Aïe, 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 aïe. Faut l'esquiver, ces machins, faut les esquiver. Hein. Je peux pas les tuer, moi, ces trucs-là. Hein. Ah, c'est... Émeraude. Je peux les utiliser ou pas les... Non, les émeraudes, j'ai pas l'impression. Faut quand même voir combiner avec. Non, 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 je peux pas les utiliser. Oh putain, mais il y en a combien? Vous avez. Tac, ouvrir. Wow! Ok. Ça doit être un reprogrammeur de carte d'accès. Peut-être que je peux modifier les données de la carte d'accès pour en faire une nouvelle carte. Ces données de la carte d'accès ont été reprogrammées. Carte d'accès de la décharge. Hein? Alors je sais pas du tout ce que je fais là. Hein. Prendre les munitions. Ah oui d'ailleurs petite information, j'ai acheté un ventilateur pour mon PC. Alors je sais pas du tout si ça s'entend ou pas. J'espère que non. Yeah. Ah j'ai cru que c'était un truc à récupérer mais non. Mais ces nouvelles bestioles là, ça me fait. Il y en a plein ici en fait. Oh. Shit. J'avais pas remarqué qu'il y en avait autant ici. Nickel. Lunettes infrarouges. Non. Ah des conneries là. Je fais comment pour mettre les lunettes infrarouges? Sérieux? Violence, bordel. Ok. Énorme. Très doué. Tu vas te calmer, toi. Pas eu le deuxième là. Putain. Et en plus moi c'est bien ma veine. Ah j'ai cru que j'avais plus de munitions. Ah bah j'ai presque plus de munitions.
c'est bien. Verrouillage de la porte a été débloqué. Alors, ok, donc on a eu le pass de la décharge. Vous allez voir, il va y avoir plein de beaux monstres à défoncer. Génial. D'accord, ok. Laisse-moi passer, bordel. Oh putain, il y en a un là-bas aussi. Tac. Comment on l'a eu? Tac, voilà. J'ai pas trop envie de m'attarder sur ces gars-là parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Donc je préfère avancer, vous voyez. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde ici. C'est quoi ce que j'entends là? C'est quoi 9? D'accord. Ok, bon bah. Oh! Hop, ah, hop, 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 il m'a fait flipper celui-là. Oh purée, j'ai vraiment plus beaucoup de munitions hein. En fait comme j'ai peur à chaque fois, je tire un peu dans, en mode n'importe quoi. Du coup je rate énormément mes balles. Peut-être qu'il mène au niveau inférieur. Pourquoi tu veux que je rentre? Tu veux que j'aille par là? Il faut que j'aille dans les niveaux inférieurs, du coup je pense que je dois passer par la salle des ordures. Y'a rien à ouvrir là? Ah si, là. Petit fourbe, ils mettent des casiers et ils pensent que j'avais pas vu qu'il fallait. C'est quoi ça? Y'a un interrupteur de sécurité pour la porte à gauche. D'accord. J'ai cru voir un autre truc en passant. Ah, examiner. Juste des archives de traitement d'ordures, rien d'utile. Ah, Ashley, où est-ce que tu es? Tu peux attendre 2 secondes que je prenne mes munitions quand même. Hein? S'en fout. Ah, ils m'ont reculé. Ah, attendez. Pourquoi ça fait ça? Voilà, je repars en arrière. Mais pourquoi ça fait le petit truc là d'électricité? T'attends 2 secondes, ouais, je réfléchis. Bon, tac, on emploie la manière forte. Help me, Leon.
Bon, toi tu me fais chier. Mais tais-toi! J'ai besoin d'une carte d'accès? Non. Sérieux? Ah! Voilà. Alors. Ouais, il me faut la machine pour changer ma carte. On va transformer en carte de. Pour sauver Ashley. Y'a rien ici. Il y a une machine à écrire. Je m'en souviendrai. Les instruments de labo sont incroyables. Si tu le lis, c'est que ça doit être vrai. Oh putain. C'est moi où je fais des emplettes là. Vite, on se soigne. On passe à côté du monsieur. On se casse loin, 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 loin. En espérant qu'il n'y a personne derrière moi. Oh, il y en a un dans son dos là. Oh, putain, raté. Ah! Sous ma gueule. Munitions, munitions. Je m'en fous de ça. Oui. Ah, mais ouais, mais non, je passe à côté, tu me vois pas normalement. Je crois que je l'ai énervé. Il est mort.
moins qu'il est mort. Pensez qu'il est mort. Yes, il est mort. Carte d'accès au stock. Ici, les munitions. Apparemment les munitions qui m'intéressent à cette heure. On va quand même recharger. Enfin si, les munitions ça m'intéresse quand même, hein, même énormément. Mais la vie ça m'a porté un petit peu plus quand même. On va sortir par où là? D'accord, on a fait le tour en fait. Nickel. On a eu la clé, ok. Vous pensez qu'on va avoir du monde ou pas? Je sais pas, j'hésite. C'est quoi ça? Aïe. Tac, on passe derrière. Il y a du monde ici. Aïe aïe aïe. Lag. Aïe aïe aïe. Ok. Bon, bah génial, j'ai plus de munitions, nickel. Plus que des munitions de ça. Puis ça se trouve ils vont me remettre encore plein de monstres. Ça risque d'être chaud. Merde, j'ai cru que c'était là tournant, mais non. Alors où est-ce qu'on est? Hein? Ah ok. Attendez, ah c'est là. Pourquoi elle a arrêté de crier? Ashley. Quoi? Elle est plus là? Non, ils sont sérieux? Ah, j'ai cru qu'elle était. Ils m'ont fait peur. You okay? Come on, let's get out of here. Ah, c'est tellement classe comme fin, les amis. Oulala, ça paraît chaud par contre pour le prochain épisode, là, vu l'image, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, on a fail quand même, on n'arrête pas de fail de toute façon. j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera pour le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cet épisode, ça me ferait énormément plaisir. Allez, salut!